êtes sur les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Et bonne surprise à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Ok Florian, tu attendais là le top départ, c'est ça, Hachi? Ok, bon, j'ai un petit peu de QRM de mon côté, donc c'est vrai que là, c'est pas forcément toujours évident à te sortir. Alors, j'ai pourtant pas grand-chose, je dois avoir quoi, peut-être un ou un et demi de QRM, mais suffisant, c'est suffisant de mon côté pour faire pas mal de bruit, quoi. Ah, c'est en train de baisser, j'ai plus qu'un demi-point de QRM. Bon, c'est bon signe. Ben justement, je bosse là tout le week-end là en journée pour changer. Et là, ben tant pis pour la température, je vais prendre la moto. Hein. Hey, j'ai regardé la température pour demain matin. Ils annoncent 5 degrés là d'après la station météo. Et bon, ben 5 degrés, quand je vais être sur la voie rapide 110, bon, ben ça fait un ressenti de moins 11 degrés de moins, quoi. Ben c'est bon, je vais être bien, je vais être sûr de ne pas m'endormir. Ah, ben là, c'est sûr, hein. Moi, ça va, je prends un froid les derniers jours. Hein. Ouais, non, mais là, je vais tout mettre. Hein. Là, je vais mettre par-dessus la tenue de pluie, je vais tout mettre. Hein. Le froid, la phare que ça glisse dessus. Hein. Attends, on n'est pas des Québécois, nous, on n'est pas habitués comme ça là, en moto avec un froid pareil. J'aurais bien pris la voiture. Bon, demain matin, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de problème. Demain soir, je débouche à 20h. Là, c'est pas gagné. Et dimanche, d'après les infos, eh bien, ça risque de coincer, de bloquer du côté, dans les environs, pas loin de là où je vais, quoi. Ah, j'ai le QRM là qui remonte un peu. Là, je te perds un petit peu, quoi. Enfin bon. Le principal, c'est que de toute façon, il faut que ça se fasse. Hein. Je suis pas du tout contre leur truc. Il faut que ça se fasse. Hein. Hachine, allez, nous on est sur la CBI et on aimerait te parler un peu autre chose que de ça. Hachine, trois coups, car il est vrai que si on veut des infos, on sait où aller de toute façon sur Internet. Hachine, trois coups. Même sur le web SDR, j'ai du mal à te sortir. Hein. Alors, as-tu profité de la propague là ces jours-ci? Car là, il y a eu quelques ouvertures, là, quelques trucs sympas. Et je vois là cet après-midi, là, à un moment donné, il y a eu la mairie du Sud qui est passée aussi. Ah, j'ai entendu un truc derrière. Ouais, j'entends quelqu'un sur le web SDR, mais ça passe très très QRP de mon côté. Hein. Au QR aussi, il y a quelque chose qui passe. Là, c'est une modulation qui est très grave. Je ne sais pas si ça ne serait pas de la propague un petit peu, justement, tiens, par la même occasion. Waouh! Oh oui, cette trace de limace qu'il y a sur le web SDR, les 73. Ah, c'est la propag qui fait ça, Hachi. 73 000, c'est pas qui est 150, je t'en tourne le micro. L'inconnu de 21h. Ah, je l'ai entendu parler derrière, je lui repasse le micro. Ouais, je crois qu'il y a Philippe aussi, 73 Philippe. Bon, des retours à nous.
Ok, comment vas-tu, Ludovic, depuis la dernière fois? Ah bah ça va, écoute, impeccable, le week-end dernier j'étais pas trop en fréquence. Puis vendredi soir, je crois, et puis samedi, comme tu as vu le message, je suis arrivé un peu tard, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, voilà, voilà. Bah ça va, impeccable, écoute, toujours du bricolage, toujours un peu de bidouille. Bon voilà, j'ai cramé un téléphone là, dans mes dernières bidouilles. Je suis content. C'est un téléphone qui me servait pour justement bricoler un ancien smartphone que j'utilisais plus, qui me servait à écouter de la musique dans le garage. Que j'ai fait une connerie avec et ça a fait chier. Voilà, sinon tout va bien. Autant micro. Ok, d'accord, je vois, t'as trouvé de quoi t'occuper. Là, je serai là dans le QSO là, ce soir, là, juste là pour la première partie, là, la première demi-heure, on va dire. Parce que bon, tout ce week-end, je bosse en journée. Donc demain matin, debout très tôt. Ah bah oui, bah, tu m'étonnes, bon, bah, je comprends. Et ben, moi, je pourrais s'arrêter aujourd'hui, c'est déjà ça. J'ai essayé de gagner, bon, bah, c'est bien, impeccable. Allez, je fais retour de micro sur... je sais pas si t'es fait avec d'autres OM, il y a Philippe qui vient de rentrer là. Je vais lui retourner le micro, mais après je sais pas s'il y avait d'autres OM avec toi, je voudrais pas monopoliser le truc. Donc voilà, je fais un retour de micro sur Philippe, il s'est fait tomber. Et il y a plus rien derrière. Ouais, ça s'appelle tout le monde, voilà. Ouais, mais j'étais en écoute sur le web SDR. Non, de Langon. Ah, Florian de Langon, ah, très bien. C'est bien comme ça, Ouais, ça fait longtemps qu'on fait payer en fréquence, mais... Désolé, bon, en tout cas, 73, la station de Langon. Voilà, je retourne micro. Alors je l'entends à peine, hein. J'ai un petit peu de QRM de mon côté et c'est suffisant pour avoir du mal à comprendre ce qu'il dit. Ah merde, c'est dommage. Bon bah c'est pas grave, enfin 73 quand même, hein, sans pas de soucis, hein, c'est sympa d'être là avec nous. J'ai l'impression que tu m'entends, donc je vais t'arrêter de te parler. Non, pas du tout, je le copie pas du tout. Hein. Je pense que j'arrive à le sortir par le web SDR, mais c'est tout. Hein. Si j'ai bien compris, tu as que 10 watts, c'est tout, Florent? Ok, j'ai compris, 35 watts tu as, ok d'accord. Là je suis en train de faire une petite vidéo, tu verras la Florence, c'est vraiment ardu hein, sur le là pour t'entendre. Alors là je t'ai pas du tout sorti parce qu'en plus le QRM a monté de mon côté. Attends, deux secondes. Ouais, d'accord, c'est monté à 3 QRM. Ah, là, c'est assez calme ce soir, mais j'entends vraiment... Il y a un mot sur mon temps qui arrive à monter, je sais pas, il y a des fluctuations un peu de QSD ce soir, mais... J'arrive à entendre un mot, mais c'est tout. C'est bien... Je suis désolé, hein, je radote un peu, mais c'est bien Florent, 14, 12, 50, hein, c'est bien ça. Ah,
14, Delta de Fox, quelque chose. Ah, j'arrive pas j'arrive pas à sortir l'indicatif qui donne. Ok, là c'est passé. 14 Delta Fox 33. Ok, Ludovic, t'as eu Roger? Ok, je vais faire le QSP. C'est un CRT 6009, si j'ai bien compris. Par contre, l'antenne, j'ai pas eu Roger. Alors, il me semble avoir compris Tornado. Ouais, apparemment c'est ça, la Sirio Tornado. Voilà, donc un CRT 6009 avec une Sirio Tornado. Ok pour ça, bah écoute, avec les... On en parle un mot chacun. Moi j'avais entendu Sirio, tu n'as pas entendu Tornado, mais c'est parfait. Et Florent a confirmé, donc super. Ok, bah, ça devrait pas mal tourner. Donc si je comprends bien, c'est au Tornado, le Florent qui est en mobile arrêté, je suppose. Ok, il a dit en fixe, alors moi je fais une grosse bure dans l'antenne. C'est un tornado. Ah oui d'accord, ok. Super, une petite recherche Google, ça évite de passer pour allumer à chier. Ok, bah ça va être une bonne antenne, ça ressemble vachement à la Mantova, disons. Avec la grosse selle sur la base et tout ça, bon, ça devrait bien marcher. En tout cas, bon, bah voilà, ça passe pas. Je sais pas, peut-être que l'antenne manque un peu de hauteur. Bon, je vais regarder là sur Google Maps un peu la distance pour me faire une idée. En fait, c'est tout petit. Peut-être qu'avec une simplification micro, là, ça, peut-être que ça passerait un peu mieux. Ça permettrait d'aller un chouïa plus haut sur le taux de modulation et être un peu plus compréhensible à longue distance. Ok, Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Je ne sais pas si c'est un break. Enregistrez le break. Le problème de 6009, c'est que s'il est sur le micro d'origine, ah, c'est vrai qu'il est assez faible. Il lui faut obligatoirement un micro préampli. Hein. Ok, pour ça, mais il me semblait bien, ouais. Ok. Bon, ben voilà. Pour Noël, un petit micro préampli, Florent. Il y a eu un break avec votre autorisation à tous. Je vais laisser entrer 73 14 ED à 8-0 par rapport à Lido. On va voir le break. Oui, bonsoir Lido. Bonsoir Rémi. C'est Yannick. 14 Yankee Delta 33. C'est un petit passage. Je ne pourrais pas rester très longtemps. Pour dire que voilà, je me suis rappelé quand même vendredi. Il y avait le QSO, c'était vendredi soir. Donc un petit 73 à vous deux. Désolé, j'ai pas entendu les autres indicatifs. Donc Lido et Rémi sont pas très à vous, Yannick à QTH et Ok Yannick, mais bonne somme 351 à toi, ça fait plaisir de t'entendre, écoute, pas de problème. Je suis en compagnie de Philippe, Rémi et Florent. Florent qui est sur Langon, qu'on a énormément de mal à entendre, voilà, mais bon, on tente
de faire QSO quand même, voilà. Il n'y a pas de raison, c'est pour tout le monde. Et puis ben, voilà, je passe le micro à Philippe pour que il puisse te saluer. À toi Philippe. Les 73, Yannick, en espérant que tu ailles bien. Ça n'avait pas entendu avant. Je ne pas le retour parce que là, je vous écoute sur le WebSDR. Je suis en bas de. Je suis situé un petit peu comme Rémi. Heureusement que le WebSDR de Sora est sur Internet. Ça me sert de grandes oreilles. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil à Rémi. Je reste pas très longtemps, mais je sais que je dois faire à manger là. Pour mon grand. Madame est partie au sport avec les copines là, donc le grand est sous la douche. Il va falloir que je fasse côté cuisine. Et je sais que si je rate la fin des QSO, on va retrouver ça très vite sur YouTube grâce à Rémi. Rémi, tu retournes le micro avec 813. Pour le replay, ça marche. Ah, je suis trois coups, les 73, 51 retournés. Sauf que ce soir, tu vois, là, je fais qu'une demi-heure de vidéo, je fais qu'une demi-heure de QSO, car demain matin, il va falloir que je me lève très tôt pour aller au pro. Et vu la météo, ah, je suis trois coups, je prends la moto, donc j'ai intérêt à être en forme dessus. On va plutôt penser. Attends, je suis sur une personne. Attends deux secondes. Non, c'est bon, j'entends personne dans l'oreillette. On va plutôt penser, on va dire, aux cadeaux de Noël et ainsi de suite qui arrivent. Tout ça pour enchaîner. Je suis en train de regarder l'heure. Alors, je voudrais pas louper la news avant la fin de la vidéo. Ouais, il reste encore 11 minutes. Donc là, si je vais en profiter pour balancer ça maintenant. Hier soir, j'ai eu Christophe au téléphone là du magasin SAV Radio 33. Là, on a passé pratiquement 1 heure au 600 et je vais le voir mardi matin. Alors, il a reçu pas mal, beaucoup de matériel, de postes différents, de postes CBI président, de différentes catégories, des antennes, du câble, ceci, cela, ainsi de suite. Donc là, je vais prendre pas mal de photos, ceci, cela. Il va me montrer son atelier et tout ça. Donc là, il va y avoir un petit truc de fait là, de ce côté-là. Alors par contre, sur place, je ferai pas de vidéo. À la maison, je ferai un montage photo-vidéo. Puis plus après, bon, les photos avec les commentaires et tout qui iront ensuite, quoi. Voilà. Donc, ceux qui ne savent pas quoi acheter pour Noël ou qui ne savent pas quoi faire comme cadeau de Noël, alors n'hésitez pas à l'appeler, hein, Christophe SAV Radio 33. Il est à votre écoute, là, à tous. Alors, je dis à tous parce qu'il y a les stations qui sont sur le web SDR qui sont également en écoute. Alors, n'hésitez pas à lui téléphoner et voir ça avec lui. Ça peut faire un super cadeau de Noël, justement, là, pour soit offrir ou pour soi-même, Hachi. Donc, plus, j'aurais bien d'autres news, d'autres trucs à parler, là, le concernant. Mais ça viendra par la suite, hein, car on est en train de mettre en place quelques trucs. Ok, pardon, je reprends le micro. Ok, Philippe, 73, il n'y a pas de souci, voilà, du coup, Rémi, je crois que c'était un peu long. Philippe voulait partir. Je crois qu'il est complètement fatigué ce soir. Pas de soucis, Philippe. Passe une bonne soirée. Et puis, au plaisir de te reprendre dans le week-end. Merci de ton passage dans le QSO. Voilà, il n'y a pas de problème. Je repasse le micro à Yannick. Ah, pardon, Rémi, je fais le tour. Hein, on revient sur toi après. Ok. Merci. Sur Twitter ou sur YouTube, si vous avez vision, là, ce que je dis là sur le micro.
là, c'est ton transceiver qui me fait un petit peu rêver, là, le ST, le Yellow ST 450. Donc je me tâte. Mais par contre, ouais, c'est sympathique d'avoir un petit magasin hein, qui a repris un petit peu de vie. En tout cas, l'OM hein, qui a remonté un truc, qui vend des coax, qui vend des postes, effectivement. Hein. Donc tu vois, j'ai été à 19h20 de la centrale de visiter ton site internet. Effectivement, ils mentionnent qu'ils vendent des coax et des TX. Donc pour moi, de mon côté, l'info est passée, je te remercie. Comme quoi, tu vois, je suis les réseaux sociaux. Voilà, ça fait un peu plus long. Je vais passer en cuisine, là, donc je reste en RX là, pour les cuissons. Par contre, je ne prendrai pas le micro. Côté gazinière là, à faire chauffer des plats, donc je vous écoute avec intérêt mais je ne reprendrai pas, donc 113 Vatilis qui s'en va apparemment, et puis ben, Ludo et Rémi, je vous laisse entre les deux pour les deux, j'essaierai de revenir dans la semaine, là, peut-être demain ou dimanche matin, enfin, dès que je pourrai, dès que j'aurai un petit peu de temps libre. En tout cas c'est même sympathique ce petit rendez-vous là sur cette fréquence. Allez, 113 à vous deux, Yannick 14, Yannick Yannick 33, Ok, j'espère que c'est moi d'une personne. Ok, Philippe, si tu es toujours là, les 73 à toi. Ok Yannick, d'autant plus que Christophe du magasin SAV Radio 33, en plus de la vente par internet, il privilégie surtout la vente de proximité. Hein. Donc il y a d'autres trucs là qui vont se mettre en route, dont je préfère pas parler pour le moment tant que c'est pas fait. Quoi. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc là, il y a pas mal de choses là qui vont se faire. Allez, les bons 113-51 à toi, de la part de 14, Kilomike 33-01, Dandy 33, et bon Castro, bon week-end. Demain soir, je serai pas là, ben, dimanche matin non plus, parce que je serai au pro. Bonne soirée à toi. Bonne popette. Ok, là il y a grand plaisir. On va peut-être retourner du côté de Florent. Florent, Florent, je te retourne le micro là si tu m'entends. Ouais, puis en plus de ça, là, sur le sud-ouest, du moins pour la partie de la Gironde, il est le seul à faire ça, hein, là, au niveau CB, hein. Enfin, si, il y a des petits magasins, comme les centres auto, des trucs comme ça. Mais bon, il n'y a pas de vrai service après, derrière. Comme lui, il compte faire, là, justement, avec la vente de postes de CB, quoi.
Là, j'en ai lâché un petit peu plus. Autrement, Florent, oui, n'hésite pas à appeler Christophe, là, de SAV Radio 33, là, pour voir avec lui au niveau micro, là, ce qu'il peut te proposer. Hein. Ah, j'ai énormément de mal à te sortir, je suis désolé. Hein. Ludovic, je sais pas. Ah. Devant le micro, là, qu'on se fasse une idée, là, à pleine modulation, ce que ça donne. Là. Essaye de siffler un grand coup, s'il te plaît. Bah, c'est pas mal, ouais. Enfin, le siffler, j'ai entendu distinctement, hein, c'est pas mal. Ouais, je sais pas, Rémi, ton côté. Ah ben, j'ai l'impression qu'il y avait qu'il y avait un silencieux au bout du sifflet, Hachi. Alors je sais pas, sympa, il a dû faire un méga effort et tout ça pour nous faire un beau sifflet, alors là tu pourrais être un peu plus enthousiaste. Hein. Désolé. Ah, apparemment t'aurais un préampli dessus quand même. Ok, change les piles. Ah, chie trois coups. Ouais, non, mais je comprends bien, quoi. Puis en plus, dans ma direction, ben forcément, là, t'es pas mal caché. Visiblement, tu l'as encore plus du côté de Bordeaux, Florac, de ce côté-là. Ben, c'est sûr que là, c'est ardu. Hein. Ouais, je me souviens, la dernière fois, tu en avais parlé, ouais, c'est ça, ouais. Il fait trop froid pour le moment, c'est ça? Putain, si les Québécois là, ils t'entendent, ils vont rigoler, quoi. Bon allez, je suis en train de voir l'heure. Pour ma part, là, je vais passer en QRT. Je serais bien resté, c'est bien dommage. Les 73-51 tous, voilà, et bonne continuité de QSO. Et donc demain soir, je peux pas être là. Je débauche à 20h, hein, donc le temps d'arriver et tout, plus la circulation, c'est déjà, c'est pas possible. Dimanche matin, ben, je serai au pro, donc c'est pas possible non plus, et en plus en moto. Donc ben, les bonnes 73-51 tous, à la prochaine. Les Québécois, tu parles, j'ai vu une des dernières vidéos d'Electrobidouilleur la semaine dernière.